Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la destinée Swahili. Dans l'épisode précédent, nous avons essayé de faire une guerre contre lui. Yazd. La Perse l'attaque en même temps et était plus rapide vu qu'ils avaient d'autres troupes à côté. Ensuite, on a essayé d'attaquer Sindh, on a vu qu'ils étaient alliés à Delhi. À la dernière seconde. Donc nous avons détourné notre gare sur l'Ethiopie, que nous avons écrasé, nous avons pris ces deux-là, et les deux provinces ici. Ouais, c'était deux, pas trois, donc c'est bien ça. Et ici, on va s'attaquer à Béja. Pourquoi? Parce que Béja est allié à Alodi. Parce que Béja est garanti par Makuri. Et parce que Béja est dans la ligue commerciale de Darfour. Donc ça va être tout ça. Là, ça on va se faire plaisir. On va leur faire couper leur relation à coup sûr. S'ils me disent que j'ai des points pour faire quoi? Durée de prix des douanes, on s'en fout en ce moment. Annexion, on se rapproche fortement de la fin de l'annexion de Nagor. Ah, attrition maritime. Ouais, mais on arrive bientôt à la maison. Hop, ici, je vais te mettre légèrement endommagé. Tu vas te réparer. Alors, ici, c'est celui-ci qu'on a fini. On va essayer de faire ceci. Donc, pour ça, je dois rappeler... colonie. Celle-ci, rappeler. Et je vais l'envoyer ici. Ah mince, envoyer le colonisateur. Guerre contre... Accepté, oui, mais je m'en fous. Tirut et Bengale, normalement, ils sont pas censés me poser de problème. Mes vassaux vont peut-être s'attaquer, hein, bien évidemment. Mais pas moi. On continue à s'entraîner. Là, je gagne 17 par mois, ça me paraît très bien. Les points, on les gagne bien aussi. Et du coup, là, si je déclarais la guerre à Sindh... En rappelant lui, voilà, dès qu'il est de retour, investissons dans la marine, oui. Dès qu'il est de retour, je vais voir, parce que si je peux attaquer Sindh, ah, ce sera plus rapide. Déclarer la guerre, Delhi n'y va pas, ok. Arrête ton entraînement, en bateau. Ah, Bella, et on fonce, on va s'attaquer à Sindh, on va le faire disparaître. Alors ici, ça, je peux construire ma revendication. Très bien. Je peux te rappeler. Et ensuite, je vais faire des revendications sur Alodi aussi, histoire de justifier. Quoique. Voilà, ça je prends ici. Donc, Sindh. Accès militaire de Verdun. Je prends, allez, vas-y. Déclarer la guerre à Sindh. Je vais prendre ceci qui est le plus proche. Balouch, je vais te dire d'attaquer ici au lieu d'aller attaquer le Bengale. Balouch et Nagor. Après, ils peuvent tous aller là-bas hein, s'ils veulent. Allez, t'as besoin de 1000 hommes pour te mettre ici. Merci, Nagor a compris et Nagor fait un marche arrière. Eux, je prendrai leur capitale et puis ça devrait être bon. Obio, c'est une colonie? Non. C'est pas dans ce coin-ci. Je ne vois pas. Non. Bah, on va chercher comme ça. Obio. Ah, j'étais pas si loin. D'accord. Eh ben, le mieux, ce serait d'investir dans la production. Ouais. Production.
Alors, toi maintenant, tu vas aller ici. Non, ici. Là, on va coloniser. Hop. Les plaisirs de la chair. C'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Hop, on a perdu ce conseiller. Oh mince, réduction de l'inflation. Est-ce que je peux payer 13? Oui, je peux payer 13. Et ici, ah, il faudrait peut-être... Non, ça, je dois le laisser. Avancer. Fabrication de lentilles, on s'en fout. Nagor. Ici. Baloutch, ici. Objectif, c'est juste de les faire tomber. Hein, c'est... Ouch. Ah oui, quand même, il y en a du monde. Hop, si je peux faire tomber 2000 hommes, moi ça me plaît. Si je peux les écraser petit à petit, une armée après l'autre. Hop. Ouch, sans aller trop loin. Ici, tout ce que je veux, ma loi, c'est à la paix blanche. Tu ne veux pas? Non. Eh ben allons-y alors. Baloutch. Ouais, c'est ça. Voilà pourquoi je voulais pas m'en mêler de sa guerre, parce que c'est un gros caca. Toi, tu te ramènes vite. Ici, je peux prendre la tech diplo. Ici, très bien. Tout ça, je vais le donner à Baloutch. Toujours, non, il était toujours en élevé. Tu sais quoi, je vais venir rajouter, ainsi ça fera peut-être un meilleur canon, oui. Alors, voilà, ça c'est fini. On a réussi ceci, très bien. On va gérer plein de choses en même temps. Pause. Alors, toi tu vas ici. Et toi, on t'envoie ici. Toi, je vais te demander... La paix, juste ta thune, réparation de guerre, transfert de puissance, non, ça me... Abandon des revendications chez moi. Voilà. Très bien. Et ici. Pourquoi ils se sentent plus pissés? Hop, bah tout. Plus toute ta thune. Plus l'abandon des revendications. Là. Ah, je peux monter de rang. Ah, j'étais plus en empire. Ah, ben voilà, je suis à nouveau un empire. Ici, propager. Ah, très bien. Propager la religion ici. Là, ça va me rapporter en Bassora maintenant. Deux secondes. Ah mince, ils ont rejoint une coalition. C'est rien. La coalition devrait être assez courte. Ici, j'ai envoyé des personnes sur les pays outragés. Voilà. Alors, après avoir combattu dans toutes les guerres de Saïd Ier, et à force de parcourir de nombreuses reprises les frontières pour reprendre et améliorer de nombreuses fortifications, le conseiller a révolutionné l'art du siège. Fortification. 50 puissance. Ou 50 de pression. 50 admin. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui rejoint la Koa. Enfin, grand, beaucoup. Pour le moment, c'est Perse. Ouais, ça devrait aller. Toi, on va t'envoyer ici. Et ensuite, alors, je perds beaucoup d'argent, probablement parce que j'ai trop de bateaux, que j'ai trop de chic, trop de... C'est ça, bateaux, j'en ai 9 de trop, je pense.
8, 8 de trop. Alors, je vais commencer par ceci. Là, je vais les supprimer. Là, on fusionne. Toi, je vais te... sélectionner. Supprimer. Fait que maintenant, j'en ai encore... 4 de trop. Non, je vais d'abord en enlever... de ceci. Destruction. Toi, je peux t'améliorer. Voilà. Et ensuite, on va vous envoyer protéger le commerce du golfe d'Aden. Ensuite, niveau des armées maintenant, ce qui m'intéresse. J'ai pas trop d'armées. Par contre, j'ai plus d'armées. Toi, par contre, hop, destruction. Arrête de faire le con. Est-ce qu'il y a d'autres armées en construction quelque part? Je ne pense pas. Ah oui, il faut que je fasse des états maintenant. Ah non, ils sont tous en état. Non, ils sont pas tous transformés en état. Ça ici. Hop. Ça, c'est de l'état qui jette. Hop, ici. Bah oui, allons-y. Hop. Ça me fait combien d'états? Non, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est ici. 19 sur 41 possible. Ici, je pense que je peux encore en faire avec celui-ci, mais c'est un peu inutile. Même chose ici. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ouais, c'est un peu inutile. Prusse veut passer, vas-y. Augsbourg veut passer. Ici, on va faire, on va diviser ceci, on va prendre ça. Et oui, premièrement, ces deux bateaux, ok. On va diviser ça ici. Ici, on va prendre ça, on va enlever les canassons, démobilisation. Et voilà, maintenant je suis à nouveau dans le positif. Et autre chose, nous sommes les meilleurs, très bien. Alodi rejoint la coalition, d'accord. Hop, ici on va diviser en deux, on va faire ça. Et là on va diviser en deux, on va faire ça. Pourquoi est-ce que je fais ceci? C'est que c'est pour former les futures armées. Enfin, c'est pour venir les regrouper. Alors ici, entraînement. Explorer. Je pense pas qu'il ait fait le tour du monde. Par contre, on peut t'améliorer et puis t'envoyer. Ici, on va renvoyer ça là. Fusion. Et fusion. Reconstruction. Ouais. Et ici... Alors que l'État et la bureaucratie sont en plein développement, le besoin de trouver de gens capables de contrôler et d'administrer les diverses possessions de bureaux se fait toujours plus pressant. Les émirs, par tradition, ont toujours été plus associés au service des armes, mais ils ont clairement exprimé le fait qu'ils s'attendront toujours à occuper le premier rang dès lors que des offices sont disponibles. Les marchands, de leur côté, prétendent que les émirs ne considèrent de telles fonctions que comme de simples récompenses et ils n'en font guère usage que dans le but de s'enrichir. Nous suggérons donc de nommer les individus qu'ils méritent. La mort inattendue d'un secrétaire de confiance a laissé un poste vacant, objet de toute convoitise. Les marchands soutiennent un candidat alors que les émirs attendent que nous choisissions un autre. Tous deux étant des hommes de talent, la décision raison purement politique. Ah, ça me fait chier. Hop. Mais là, je peux rien faire. Je peux exiger de l'argent en plus. Mais oui, allons-y. Mais viens pas m'emmerder, toi. Je m'en fous de ta guerre.
Ok, on va aller s'occuper de ceci. Faites chier, hein, réellement. Des rebelles, il y en a tout le temps. Ici, où puis-je en avoir, où risque d'en avoir des mairies. Ça, c'est ceci, je... Ceci. Non, c'était ici, non? Ouais, mais je vois... Ah, si. Voilà, ah, plus. C'est bon, t'es content? Ouais. Des Lundus. Ça, ça doit être ici, bas. Là, voilà. Ok, très bonne chose. Bon, là, ils avancent dans leur guerre, mais pas contre le Bengale. Hein. Hop, ici. Toi, tu viens là-haut. Et toi, tu viens ici-bas. Alors, oui, on gagne et on perd. Ottoman contre Russie, Moldavie, Bad, Venise, Shirvan. Vas-y. C'est pas qu'on va s'en foutre, hein, mais même chose que la précédente. Ça me fera des points à la limite. Allez, finissez cette guerre. Tiens, là, je pense que je peux le transférer, non? Afghanistan allié à Irak. Ça, ce serait utile. D'attaquer l'Afghanistan pour tout donner. Par contre, il y a eux qui sont aussi alliés à Irak. Tout le monde est allié à l'Irak, en fait. Ok. Non, moi, ce que je voulais, c'était ceci. Transférer à Delhi. Hop, en bateau. Et on va ici, au Mozambique. Et vous? Fusion. Et on s'entraîne. Seule chose que je fais actuellement, c'est baisser la menace que j'engendre. Les cafas, c'est ici, non? C'est pas ceci. Non. Non. Il semblait que c'était ici, Kaffa. Ah, c'est peut-être ici. C'est quoi ça? Gujarati. Ça m'aide toujours pas avec les Kaffa. On va voir le nom de la province. Oh non, je suis à nouveau en perte. Super. Notre général est mort. Général, général, hop, voilà, super, un général tout nul. Qu'est-ce qui me fait perdre de l'argent? Conseiller, eh ben je pense que je vais changer le conseiller plus 3 ici que j'ai. Plus 1. Voilà. Ça devrait aider un petit moment. J'ai toujours ce souci de révolte Kaffa. Ce serait quoi? Mais c'est à Kaffa. Donc c'est bien ici. Très bien, province intégrée. Nouvelle madrassa. Soulèvement, ouais, mais là je peux rien faire. Et les Éthiopiens non plus, je ne peux rien faire. Vu que, bah, dans tous les cas, j'ai déjà augmenté le pourcentage. Et pourquoi son unité religieuse, culture non acceptée? Tiens, d'ailleurs, en parlant de culture. Ah, j'ai pas assez de points. C'est pas les bons points que j'ai. Exiger un soutien militaire. Hop, pour prendre une tech suivante, 15-15-15, on sera un peu mieux. Même si c'est toujours pas le 16 que l'on attend.
Hop, ici on peut avoir une tech militaire, plus de... Non, je prends pas. Ici on va vous envoyer là, mais on va vous envoyer surtout... Je ne connais pas l'option, mais il y a un truc pour calmer les rebelles. D'accord, ça on s'en fout. Toujours, ouais, j'ai toujours une jolie coalition contre moi, donc on va la calmer. Perse par exemple, moins 200, c'est impossible. Alodi. Dis, je peux essayer d'améliorer les relations. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Probablement pour l'expansion agressive. Voilà. La Moldavie a accepté l'offre. D'accord. Ça aide toujours pas pour ta guerre. Hein. Vu les Russes qui débarquent, c'est un peu le bordel. Mais si t'arrives... C'est qui le... Oui, c'est Tirou... Non, c'est pas celle-ci. C'est la Russie l'intéressé principal. Et Venise est son allié, je suppose. Et donc, ils vont essayer de faire sortir Venise. Logique. Hop, c'est ceci. Et c'est contrôler la neutralisation autonome des... ici. Carte pour rajouter ou retirer. Non, c'est pas ça. Annuler. On va aller là, et mon objectif c'est tout ça, donc. Je ne connais pas cette option, je l'avais... Enfin, je savais que ça allait être ajouté, mais je ne sais pas comment on la maîtrise, donc on va découvrir ça ensemble. Hop. Donc ici. Hop, hop. Hop, hop. Très bien, bah, ça me paraît bien ça. Si on arrive à calmer les choses. Voilà, ils sont plus qu'à 0,2 et donc il faudra attendre 20 ans avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Ah, les colonies ici. Louisiane. Bien. Là, tu vas explorer toujours les côtes. Et après, on te renverra faire un tour du monde. La ville. Oh, je vais faire baisser l'impôt pour qu'il puisse aider. C'est toujours bien d'aider. C'est toujours bien d'être gentil. Alors ici, oui, c'est ceci. Là, ça avance bien. Les autres colonies. Ici, ça avance. Et là... Ça avance aussi. Ça fait 1, 2, 3, 4. On va arriver à 5. On aura l'Australie. Très bien. Ils ont réussi un siège. Hop. Tech militaire 15. Et on a des nouveaux. On peut changer. On va mettre des mousquetaires est-africains. Ici, est-ce que je peux te demander une... Non, je peux pas te demander, j'ai pas de diplomate. Mais la guerre, elle est pas au top. Là, ils ont leur armée. Très bien. Bien un peu pour... Ici, Venise bouge, mais... Ah oui, l'Ottoman est un peu con par moment. En fait, là, il y a plus beaucoup de monde, ils devraient laisser presque rien. Je sais bien, ils occupent Tana, ils occupent Chikichak, on s'en fout. Foi, un nouveau... Ne propage plus la foi sunnite dans le nœud de Gujarat. Hop, ça veut dire que le nœud de Gujarat, on a converti un... Non, mais ça peut plus se propager. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'on a perdu des provinces. Donc, elles sont plus sous notre contrôle, donc il faudra attendre. Et j'ai perdu de l'argent, je sais pas pourquoi. Je vais baisser les forteresses. Ok. Voilà, là normalement Venise. À moins que tu veuilles lui prendre des territoires, Venise, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Moi, tout ce que j'attends, c'est que ça sorte. Qu'il y en ait un qui sorte, quoi. À la limite, non, moi, il me faut que Perse sorte de la coalition. Le reste, on s'en fout.
Après, on pourra faire des guerres ici. Et là, toujours 100% à cause du Portugal. 87% à cause du Portugal. Et 1% à cause du 1. Et 84% pour le truc religieux. D'accord. Là, je peux le faire. Rembourser une dette, allons-y. Et je vais faire un partage de connaissances. Juste pour voir maintenant, Bassora, ouais, on gagne pas beaucoup, beaucoup, hein, dans le nœud de Bassora. Après, il y a d'autres provinces, je pense, qui en font partie. Voilà, il y a tout. Quand on aura intégré Baloutch, on devra en gagner encore plus. Et puis, nos prochaines guerres contre le Yémen, à part prendre ces deux-là, on pourra essayer de prendre ceci et grignoter par les côtes. Ici. Non, on va continuer à améliorer. Loubas allié toujours à Loango et... Okay. Et c'est pour ça que je veux faire cela, parce qu'ainsi, moi, je pourrais manger dans ce coin-ci. Mais faites sortir le Bengale, il est en faible. On n'a plus besoin de lui, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de prendre ses territoires. Vous le faites partir. Et ici, même chose, Venise. Venise sont actuellement en élevé parce qu'il y a une bataille, je suppose. Ça peut être que ça. Ouch. Bon, Venise sont en moyen. Mais moyen, c'est suffisant. Oh, Venise va tomber. Très bien. Ça va être plus simple d'aller gérer... Bon, là, ils sont à Constantinople, hein, déjà. Donc, ce serait bien de se bouger le cul, mais... Venise va tomber, c'est bon. T'as fini? T'as plus rien à explorer? Si. Votre amiral est mort. Dépendance Andra, tu casses les couilles. Parce que maintenant, si je veux attaquer lui, il faut que j'attaque les deux. Donc, faudrait que j'attaque Village Nagarat. Mais du coup, si je veux attaquer les deux, faudrait peut-être que je m'allie avec Bengal. D'accord, Transoxiane. Je sais pas pourquoi, mais d'accord. Tu veux une alliance, éventuellement? Non. Tu me donnes de la thune. Ok. Faites sortir la Perse. Vous faites sortir celui que je veux attaquer, je m'en fous. Dans tous les cas, je veux attaquer. Dans le prochain épisode, bien évidemment. Je préfère attaquer Béjas. La France va réattaquer les côtes congolaises. Ils ont fait sortir Venise. On obtient 3 pièces. Yeah. Très bien. Et donc ici, ouais, ils ont un souci, mais maintenant ils vont pouvoir le gérer. Pour la prise de Tine, donc c'est près du... C'est dans ce coin-ci, non? C'est une défense conquête russe. D'accord, c'est la Russie qui veut bouffer. Ah oui. Bah oui. Pas étonnant. Ok. Réforme pour bientôt. Bientôt. Exploratrice. Ouais, non, je vais prendre les points de mine. Hop, et je prends la tech. Et ici, c'est risques de soulèvement. Les risques de soulèvement éthiopiens. On est à combien là en fait? On est à 4. Oh, cette semaine, on pourra le prendre. Je regarde pas lequel parce que je sais pas lequel je vais prendre et on s'en fout. Bataille. Non, on va. What?
Notre expédition fait rencontre d'indigènes hostiles qui l'a poussé à fuir la région. Quelques membres d'équipage avaient débarqué pour trouver de l'eau fraîche et retourner sur le navire. Lorsque sont apparus dans les embarcations des embarcations d'indigènes armés, nos hommes se sont dépêchés de gagner le navire le plus proche aussi vite que possible, mais les indigènes les poursuivaient. Et l'une des embarcations était sur le point de les rattraper, alors que nos hommes s'apprêtaient à les défendre, les indigènes ont soudain ralenti, comme pour attendre les autres. Nos navires en ont profité pour s'échapper, mais quelques hommes d'équipage ont été blessés. Oui, on va essayer de les calmer. Cette guerre... Oh putain, ils sont en train de récupérer là-haut. Très mauvaise gestion des armées, hein. C'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre. Vous avez deux armées, vous pouvez gérer deux armées. Bref. Bah oui, je vais le faire revenir. Mon objectif, c'est juste de les calmer et de les rassurer. Et maintenant, j'ai amélioré mes relations avec Bewas. Bejas. Pourquoi je l'appelle Bewas, je ne sais pas. Toi, j'améliore déjà les relations, mais je vais améliorer avec la Perse. Est-ce que ce serait possible? Et qui t'es en guerre? Qui t'a pris cette terre? La Russie? Donc, Balou... moins 200, pourquoi? Parce qu'il veut nos provinces, expansion... Oh oui, on va essayer d'un peu améliorer. Même si là, j'ai l'impression... Là, par exemple, 13 000 sur Constantinople. Pouvait foncer dessus avec 50 000 troupes, par exemple, hein. Histoire de bien les exploser. Mais non. C'est bon, maintenant t'as tout exploré. Si je te fais exploration, tu... Refaire du... Ah, on l'a fait le tour du monde. On était même pas les deuxièmes. Bref, je me rappelle pas avoir vu l'event. J'ai dû le zapper, si ça se trouve. Vu que c'est fini, bon, bah, on va mettre aucun commandant. T'envoyer, pratiquer la... protéger le commerce. Du côté de Malacca... Non, du côté d'Ormuz. Bien. Et si je veux voir dans mes commandants, toi, je peux te jarter. Et je vais pouvoir aller voir mes ordres et leur dire j'aimerais un amiral. C'est eux. Accorder un titre d'amiral, ça leur donne plus 20 d'influence. Non. Hop, on va faire ceci. Un titre d'amiral. Et toi, t'as plus d'alliés, c'est ça hein, Portugal en plus. Et si j'attaque Andra via Jnagarat. Delhi, paix blanche. Ok, très bien. Donc il reste ici. Bref, nous on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.